Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter la remplaçante de la M2 Compétition. Je suis de retour chez Ford Performance, enfin là pour le coup c'est Shelby, et il s'agit d'une GT350 de 2017 en couleur avalanche grey. Et donc elle est dans une conception quasi full origine. On va retrouver les bandes noires avec des petits contours blancs sur les côtés, donc sur tout le long de la voiture, mis à part le toit. Il a été peint en noir et personnellement j'adore. Alors sachez que ces Shelby ont été fabriqués et vendus que en Outre-Atlantique, sachant que les Mustang GT classiques, elles, ont été importées et vendues en Europe. Et donc la Shelby GT350, c'est une base de Mustang génération 6, construite sous des millésimes autour de 2015-2020, avec quelques petites modifications. Enfin, à vrai dire, il y en a quand même pas mal, à commencer par l'esthétique, avec quelques éléments distinctifs comme la lame. On a un rappel également Shelby sur lequel on a rajouté un petit contour blanc, histoire qu'on le voit. Une bande GT350 a également été ajoutée sur les bas de caisse. Même si on sait déjà que c'est une Shelby, c'est quand même assez extravagant. C'est un muscle car, elle est large, 1,90 m environ et proche de 4,80 m de long. À l'arrière, un béquet qui est plus ou moins grand, enfin élevé on va dire selon les millésimes. Donc sur les 2017, il est comme ceci, alors que sur les dernières fabriquées, il est plus haut et en deux parties. Donc il faut savoir que sur les Mustang classiques, vous allez retrouver plutôt un cheval, alors que là c'est un Cobra, donc Cobra qui est plus ou moins le logo de Carroll Shelby. On va avoir des petits rappels au niveau de l'avant avec un petit badge GT350, également un rappel du GT350 sur les latéraux, et pour finir à l'arrière, au centre des feux. D'ailleurs on peut en parler puisqu'ils sont magnifiques, donc ces trois bandes latérales qu'on retrouve de chaque côté qui nous rappellent les Shelby GT350 des années 60, hein, c'était plus ou moins la même signature. On va retrouver 4 pots d'échappement avec système de clapet, esthétique et mécanique. Une prise d'air sur le capot pour refroidir le moteur, des prises d'air fonctionnelles sur les ailes, et on va retrouver également un freinage 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière, des disques percés en 394 mm avec des étriers Brembo. Pour rappel, la M2 Compétition était sur du 400, donc c'était encore plus gros, et à l'arrière du 380 mm comme sur la M2 Compétition. Voilà, je compare un petit peu avec la M2 Compétition parce que cette Mustang, elle peut avoir vocation à être un petit peu bateau, un peu lourde, toutes ces choses. Mais là, voilà, on est vraiment sur une Shelby. Tout a été fait pour l'optimiser pour le circuit et donc pour répondre à mes critères. C'est quand même important de vous parler des pneus. Les gros boudins, surtout à l'arrière, mais aussi à l'avant. On est sur du 295-35 R19. Et à l'arrière, c'est du 305-35 R19. Imaginez un petit peu la taille que ça représente avec des pneus Michelin Pilot Super Sport aux 4 coins et des jantes Ebony Black en 19 pouces. Et elles sont relativement simples, et moi j'aime bien ce côté un petit peu track qu'elles donnent quand on les regarde visuellement. Je vous parlais tout à l'heure du fait que la Mustang est une voiture qui a réputation à être un petit peu lourde. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même le cas, puisque ça fait autour de 1,7 tonnes, 1,8 tonne, mais on rappelle que c'est une américaine, que là-dessous il y a un V8, mais ils font quand même des petits efforts, puisqu'à l'avant vous allez avoir un capot en aluminium, un pare-choc en aluminium, ainsi que des ailes à l'avant en aluminium, et je vous laisse deviner la matière des jantes en aluminium. Quand on est devant et qu'on voit ces magnifiques baquets Recaro, bah on n'a qu'une envie, c'est d'aller les voir de plus près. Et donc on est accueilli par ces Recaro qui sont quand même bien baquets, avec un revêtement Alcantara. On a une bonne accessibilité au frein à main, merci, on retrouve un réel frein à main. On retrouve également une boîte de vitesse, donc très mec 6 rapports. Ça fait vraiment plaisir de retrouver une GT350 avec une boîte de vitesse manuelle, sachant que les GT500 ne sont proposés sur cette génération 6 qu'en boîte automatique. On retrouve de réels compteurs, donc gradués au niveau des contours jusqu'à 9000 tours, sachant que la zone rouge débute autour de 8250 tours. Il faut quand même savoir que c'est un V8 qui monte très très haut dans les tours. On est gradué en affichage principal en miles, étant donné que la voiture vient des États-Unis, ça aurait été autrement si elle venait du Canada ou du Mexique, mais on a tout de même en rouge les km/h qui sont affichés. De toute façon, on retrouve au centre un écran numérique qui affiche la vitesse en réel et donc paramétrable en km/h. Donc petit écran numérique où vous allez pouvoir retrouver des températures d'admission, des températures d'huile, enfin énormément de choses, et ça c'est vraiment une qualité qu'a cette voiture, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations performance. Même aussi de réels manomètres, donc avec à gauche la pression d'huile, à droite la température d'huile, et ça c'est franchement sympa de les avoir intégrés. C'est dommage qu'on soit sur des unités états-uniennes, mais bon, on les a tout de même. On va retrouver également une petite plaque, puisque les Shelby GT350 sont numérotées. En option, un écran central, donc ça c'est le 5.3, donc qui fait 8 pouces, qui est d'ailleurs également tactile. Avec aussi l'Apple CarPlay, la caméra de recul, le pad checker qui vous apporte plus d'eau-parleurs que l'origine. Même si je vous l'accorde, cette voiture, on ne l'achète pas spécialement pour ça, mais ça reste quand même du confort de conduite. Un volant avec plusieurs matières, dont du cuir dans la partie basse, de l'Alcantara sur le reste, avec le petit rappel à midi, certes en noir, mais il est là. Et le logo Shelby bien au centre. Et ce qui est très pratique aussi, les petits boutons qui vous permettent de changer les modes de conduite, répondre au téléphone, augmenter le son, changer de musique, naviguer dans le tableau de bord. Et ça, c'est très confortable. À l'arrière, vous avez très peu de place, mais vous avez des sièges qui sont entre guillemets baquets et visuellement c'est super sympa. Vous avez aussi une boîte à gants, quoi de plus classique, et puis un intérieur de porte avec un petit revêtement Alcantara. Puis autre chose que je trouve très sympa, c'est qu'on a un bouton de démarrage distinctif en rouge et puis un système qui fait un petit peu penser à l'aviation ou à Lamborghini. Là par exemple, pour ouvrir ou fermer les valves, il vous suffit de donner une petite impulsion. Ici c'est le launch control, le bouton de l'ESP et pour finir les warnings. Bon, on va passer au plus important, le moteur. Les Mustang GT sont-elles équipées d'un bloc 5 litres? Là, on est sur un bloc 5 litres 2, donc un petit peu plus de cylindrée puisque ce n'est pas le même moteur. Les Mustang GT, elles, développent autour de 420 chevaux et là, on va en avoir une centaine de plus. Donc, on va avoir exactement 533 chevaux et non pas 526 qui, eux, sont des horsepower. Donc, ce n'est pas la même unité de mesure. Un couple d'environ 580 Nm, une barre stabilisatrice à l'avant, une également à l'arrière, avec le rappel du département Ford Performance, un cône absolument monstrueux, donc là pour le coup il a été changé. Ça c'est un filtre à air sport K&N qui est logé dans son petit compartiment. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est un moteur qui est assemblé à la main et donc vous avez une plaque avec une gravure des noms des personnes qui ont travaillé dessus. Mais en résumé, quoi de plus satisfaisant qu'un bon moteur V8 atmosphérique qui se gave en air comme jamais, qui fait une sonorité absolument folle. D'ailleurs, petite particularité qu'elles ont, puisqu'elles disposent d'un vilebrequin à plat qui leur donne une sonorité très particulière et facilement identifiable. Je pense que vous attendez qu'une chose, c'est qu'on... J'allais dire qu'on mette un tour de clé, mais non, ça c'est les Shelby des années 1960. C'est qu'on appuie sur le petit bouton Start et qu'on écoute et qu'on se régale. Donc montez le volume, on se retrouve tout de suite. Il est mort hein, en valve ouverte, mais vous voyez, en valve fermée ça fait pas tant de bruit que ça, et c'est ça qui est vraiment très plaisant, c'est qu'on choisit quand on veut du bruit, et quand on veut rester discret dans des environnements style la ville ou vers chez soi, et ben on rentre en toute discrétion. Je dis pas que ça donne la sensation qu'on est sur un véhicule électrique, mais en tout cas ça fait pas beaucoup de bruit et ça c'est très appréciable. On va faire un tour? Bah, carrément qu'on va faire un tour, allez viens. Voilà, on est en valve fermée et d'ailleurs on a des suspensions pilotées sur cette GT350, donc suspension Magna Ride. Donc vous voyez, en valve fermée c'est quand même un environnement relativement calme, ça fait pas tant de bruit que ça. On entend que le bruit vient légèrement de l'avant, mais niveau échappement, étant donné que c'est fermé, ça porte pas. Et puis là on a un affichage avec l'autonomie, parlons-en. Donc on a un réservoir d'à peu près 60 litres qui va permettre de faire grosso modo 350-400 km. Donc moi j'ai relevé une consommation moyenne d'à peu près 14-15 litres au 100 km. Donc après ça reste un V8, hein. C'est normal que ça consomme. Donc je parle d'une consommation mixte avec une majorité de villes, chose que j'ai faite majoritairement malheureusement pour le moment. On lui pardonne vu toutes les qualités de toute façon qu'elle a. On peut aussi parler des modes de conduite, donc on va avoir le mode normal qui est adapté à ce type de conduite. On va avoir le mode sport où est-ce qu'on va avoir une meilleure réactivité des performances de la voiture. Un mode météo, chose très appréciable, donc notamment quand il pleut et que l'adhérence est limitée. Et on va avoir un mode circuit réservé aux pilotes chevronnés à ce qu'ils disent dans la notice, où est-ce qu'on va avoir un anti-patinage qui va laisser plus de liberté également au niveau de la stabilité de la voiture. Et pour terminer, on va avoir le mode dragster. Ben oui, c'est une américaine, donc les Américains aiment le drag. Et donc là, ça va permettre justement de limiter le glissement des roues au démarrage et ça va aussi améliorer la stabilité à haute vitesse. On peut également régler la sensibilité du volant, donc c'est pareil, on appuie sur le petit bouton. Et donc là, on a confort, normal et sport. Ben, je vous propose qu'on passe la voiture en mode sport un petit peu de tous les côtés. On va mettre également la suspension en sport et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne en mettant également le mode de conduite sport. Donc là, vous avez pu entendre, les valves s'ouvrent automatiquement. Donc soit en mode sport, soit en levant les petits boutons qui sont ici. Donc il faut faire deux fois pour passer en mode sport. Et là, du coup, on a tout de suite le champ du V8 qui est beaucoup plus prononcé dans l'habitacle, mais surtout à l'arrière. Donc la voiture n'a pas de rev matching automatique parce que oui, ça se fait aujourd'hui même sur des boîtes manuelles, à citer par exemple la Camaro de mon ami Antoine, mais la voiture a un différentiel Torsen et donc qui va optimiser les performances sur circuit. La motricité, on peut en parler, moi je la trouve relativement bonne, on a certes de la puissance et du couple, généralement quand on met pied dedans, ça passe au sol, même si parfois on sent que l'ESP intervient. C'est de choper le feu vert, ah non on l'aura pas. D'ailleurs, hop, bon là c'est froid, donc on n'a pas un mordant fou. On peut parler du freinage. D'ailleurs j'ai un ami, coucou Aurel si tu nous regardes, qui a testé la voiture et qui a été littéralement choqué par la puissance de freinage. Parce que c'est vrai que la voiture est quand même relativement lourde, mais oui, ça freine. En fait c'est un peu la voiture qui casse tous les mythes sur les Américains de Saint-Bernard. C'est vrai, c'est très pertinent ce que tu viens de dire en effet mon cœur, parce que c'est totalement ça. Cette voiture est vraiment développée pour le circuit, pour la performance, et elle va venir casser le mythe de la voiture américaine qui est lourde, qui n'est pas agile, qui n'est pas apte à faire du circuit, et ce n'est clairement pas le cas de cette Shelby GT350. On a également quelque chose qui est relativement sympa, donc ça c'est quelque chose qu'on active avec la voiture, c'est qu'on a un système de diodes qui permet d'identifier en fait le régime moteur où on est. On a une petite Porsche derrière, sympa, une 911 Carrera S. Et donc là vous voyez, regardez les diodes, si je rétrograde, bah forcément ça va monter plus haut. Donc là par exemple je suis en 4e, on est à moins de 90, je peux même mettre une 3. La 3 pourrait monter bien plus haut de toute façon. Regardez si on accélère, et bon on voit les diodes monter. Niveau tenue de route, j'ai pas pu encore réellement tester. De toute façon je suis encore en apprentissage avec cette voiture, même s'il y a du circuit qui arrive prochainement. Mais au premier abord, on n'est pas dépaysé par rapport à la M2 Compétition. De toute façon, ça reste des voitures toutes deux développées pour le circuit, encore une fois. Là, par exemple, on a une voie d'insertion auto. Je vous laisse profiter de la magnifique sonorité du V8 et de la longe de ce V8 qui est absolument folle. On est toujours en 3. Hein. Que dire? Mis à part dire que c'est tout simplement incroyable, aussi bien en termes de sensations qu'en termes de plaisir auditif. La seule chose que je pourrais peut-être reprocher un petit peu, c'est que quand on approche les 8000 tours, on sent que le volant commence un petit peu à vibrer. Donc ça, je pense que c'est le V8 qui fait ça. Mais sinon, on a une allonge qui est absolument folle. On a l'impression qu'on n'a jamais besoin de passer les rapports. Donc l'étagement est certes un petit peu long. Ça reste quand même une américaine. En tout cas, c'est pas pour autant que la voiture n'est pas performante. On le rappelle, on a plus de 500 chevaux à l'intérieur. On est sur un V8 atmosphérique, d'ailleurs le plus puissant produit par Ford à ce jour. Une fois que la voiture monte dans les tours, c'est vrai que c'est impressionnant comment ça marche, clairement. Une belle 8R. Moi j'adore cette voiture, j'aime beaucoup, je pense qu'elle nous correspond complètement. Beaucoup plus. En effet, parce que c'est une raison pour laquelle on a aussi vendu la M2 Compét, c'est qu'on ne retrouvait pas en fait ce côté passion qu'on avait par exemple avec la Ford Focus RS MK2 et puis le côté boîte manuelle me manquait aussi. C'est vrai que quand on essayait la Camaro, bah Camilla a eu un coup de cœur phénoménal, on peut le redire. Et puis moi, bah voilà, j'étais certes en passager, mais voilà, l'appel de la boîte mécanique, l'appel du bon V8 atmosphérique, de la sonorité aussi, parce que c'était quand même relativement discret sur la M2 Compétition, même s'il y avait un système de valve. Mais ouais, là on a l'impression vraiment d'être revenu sur une voiture de réel passionné, et on se sent beaucoup mieux identifié. Et puis le capital sympathie de la Shelby est tout simplement incroyable aussi, hein. C'est vrai que quand on va sur les rassemblements, les gens ont tendance à vite se jeter dessus et à poser des questions, la prendre en photo, tout ça. Et ça, c'est tout ce qu'on cherchait, à vrai dire. C'est le côté passion, partage, plaisir, tout ce qui définit en fait cette voiture. Alors il faut savoir que dès lors qu'on passe la 6ème, et bah, les valves se ferment. C'est vraiment la vitesse qui permet d'économiser du carburant, bah, des faire moins de bruit pour le coup, mais c'est surtout une vitesse qu'on n'exploitera jamais puisque la Vmax se fait en 5ème. Et oui, dès qu'on passe la 6ème, et bah, on approche 270-280 km/h, et bah, la vitesse a tendance à retomber. Donc ça doit être un rapport qui doit être extrêmement long, qui permettrait peut-être avec plus de puissance d'aller chercher les 300 km/h, mais en tout cas en conception origine, la Shelby GT350 ne les atteint pas. Je pense que pour ça, il y a plus la GT500 qui est donc sa grande sœur, qui elle, à mon avis, va les chercher. Je ne le savais pas, mais j'ai toujours aimé les muscle cars, sans connaître le nom. Tu me disais, ah j'aime bien cette voiture, oui. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Mais je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Et ouais, bah, c'est vrai qu'on avait hésité quand même à partir sur la Camaro ou sur la Shelby GT350. Bah, d'ailleurs, on peut parler de budget parce que c'est quelque chose qui peut intéresser. Bon, les GT350, c'est vrai que par rapport à une Mustang GT classique, bah, c'est pas donné. Je ne dis pas qu'on va du simple au double, mais pas loin à vrai dire. Une GT350, vous allez les trouver autour de 75 vraiment pour les moins chers, alors importés, hein, je parle, jusqu'à 85-90 pour celles un peu plus onéreuses, avec moins de kilomètres et peut-être plus d'options. C'est vrai que ça reste un budget, bah, du fait que ça soit relativement rare et qu'on soit sur un modèle qui est vraiment très développé, à commencer par le moteur et tout ce qui s'ensuit, hein, les éléments aérodynamiques, les formes, toutes ces choses. On est sur un véhicule qui demande qu'un truc, c'est qu'on monte dans les tours et qu'on fasse chanter son V8. C'est un moteur qui est plein. On a l'impression en fait qu'il y a toujours de la puissance quand on la conduit, cette voiture. Là par exemple, une reprise en deux pour s'insérer, regardez l'allonge. T'inquiète pas, je l'ai vu. Mais non, c'est une allonge folle. On peut recommencer en 3 peut-être. Mais cette sonorité. C'est viril, hein. Là c'est vrai que par rapport à la M2 Compétition, quand on passe les rapports, on le sent d'ailleurs, il y a un débattement qui est relativement court, mais ouais, c'est un autre level là quand même, hein. Ça nous rappelle beaucoup plus les sensations de la Focus. Très juste, en effet. Bah, c'est un peu le même esprit, même si on n'est pas sur le même moteur ni la même puissance, mais au niveau en fait des sensations, bah, on s'y retrouve un petit peu. La Focus est en moteur turbo, là on est sur un pur atmosphérique, mais dans l'esprit, c'est un petit peu ce qu'on recherchait et qu'on a retrouvé avec la GT350. La voiture, on l'a depuis à peu près 3-4 mois, quelque chose comme ça, et on en est totalement comblé, mais on se rend compte que cette voiture, bah, c'est quasiment impossible à exploiter sur la route. Il faut l'emmener sur circuit, clairement, parce qu'on a vite fait d'atteindre des vitesses importantes et de se mettre en danger, notamment avec l'allonge de cette voiture, où si on veut vraiment aller chercher la puissance haut dans les tours, bah, il faut que ça soit dégagé, il faut qu'il n'y ait pas de trafic. Donc ouais, là on va aller rouler prochainement, d'ailleurs avec Jean les circuits, en juin à Dijon, et ça nous permettra en fait de pouvoir exploiter réellement la voiture et surtout en toute sécurité. Après, donc avec Camilla, on a fait des recherches pendant à peu près combien de temps, je dirais, bah, il fallait vendre la M2 Compétition, hein, déjà, donc ça nous a pris environ 2 mois. Et pour les recherches des Shelby, ouais, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des Shelby GT350 avec un historique complet, donc des factures printées avec une traçabilité, mais le plus important reste le carnet d'entretien tamponné, pour moi qui est une valeur absolument sûre, ce qui est notre cas pour le coup. Donc après, au niveau de l'entretien, c'est relativement identique à une voiture sportive européenne, mais c'est quand même un moteur où il faut régulièrement surveiller la consommation d'huile, donc faire des contrôles à ce qui est préconisé dans la doc une fois par mois, mais sans ça, ça reste tout à fait entretenable comme une voiture sportive normale, clairement. Voilà, c'était une première petite approche qu'on voulait vous faire. Nous vous partager également notre satisfaction et notre joie d'être passé sur un véhicule si mythique. C'est que du bonheur, hein. On commence tout juste à en profiter un peu. Là, il y a le retour des beaux jours qui est approchant, même si l'attente de l'hiver a été un peu longue puisqu'on a eu beaucoup de pluie, tout ça. Donc pas évident justement pour prendre ses marques avec la voiture, mais en tout cas le circuit va permettre de réellement en profiter et on s'en fait déjà une grande joie. Et on en arrive même à se poser la question de quoi prendre après ça. Donc certes, on est amoureux des Shelby, donc la suite entre guillemets logique pourrait être la Shelby GT500, mais c'est pas la même approche. La GT500 est plus une caisse de performance de ligne droite, je dirais, alors que celle-ci est plus développée pour le circuit. D'ailleurs, il y a sa sœur, la GT350R, qui elle est encore plus radicale, avec 60 kg de moins, une banquette arrière qui a été supprimée, des jantes carbone en option et encore d'autres choses, mais on sent que la version 350 est plus adaptée en fait à notre besoin à nous. Et non, c'est vraiment une caisse pour laquelle on est absolument dingue et on pense que ça va durer, que c'est une voiture qu'on va vraiment garder dans le temps. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. On pense qu'avec Camilla on va créer de notre côté des petits formats autour de Ford Performance, autour de Carroll Shelby, autour de l'histoire de la Mustang, plus précisément la Shelby GT350, parce que au final on est revenu chez Ford, mais on sent qu'il y a un réel attachement commun, hein, vers cette marque. Donc on aimerait vous partager toutes nos connaissances et surtout vous exprimer notre passion pour Ford Performance et donc Shelby, sachant que ça devient de plus en plus grâce à l'obtention de cette Shelby GT350. Mais voilà, on va vous proposer du contenu un petit peu différent que de faire que des blocs de présentation, même si on reste très ouvert à présenter tout type de modèle. Allez, salut tout le monde, ciao.